C'est-à-dire que les autorités de ces pays, ils ont peur de coup d'État. Mais ils n'ont pas peur de Wubi. Oui, non? La Côte d'Ivoire est devenue le pays des Wubi. Le pays où tous les Wubi trouvent refuge. Tous les Amasougoules trouvent refuge. Mais vous savez, dans la vie, en toutes choses, il y a un début et il y a une fin. Et il y a une cause. Le Wubitisme, en fait, prend le pays. Ce que vous voyez s'entrer dans ce, il n'y a pas femme dedans, hein. C'est garçon. C'est ce que je dis ici tous les jours. Là. Ce que vous êtes en train de voir dans la vidéo, là, c'est garçon, c'est pas femme. C'est garçon que vous voyez comme ça. Là. Ce sont des hommes, il y a pile en bas d'eux. C'est eux que vous voyez comme ça. Là. Aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire, dans la capitale des Wubi de la sous-région. Parce qu'ils savent qu'ils sont persécutés un peu partout. Donc, qu'ils soient maliens, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient guinéens, leur Eldorado, c'est la Côte d'Ivoire. Mais nos autorités ici, dans ces pays-là, ils ont peur de coup d'État que de ceux-là. Vous ne devez pas avoir peur de coup d'État. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous renverser par coup d'État dans ces pays-là. Mais ceux-là, ils peuvent faire, non? La population va se lever, ils vont vous renverser. Prenez vos responsabilités. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui se disent croyants, servants, quoi. Mais face à ce truc-là, ce sont des païens. Si des païens n'en parlent pas, ils sont assis comme ça. Guide, coutumier, quoi, ils sont où? Et tous ont fermé leur bouche. Et tous, ils ont fermé leur bouche. Chacun se contente de son salaire qu'on lui donne à la fin du mois. Chacun se contente de la voiture qu'on lui a offerte. Mais ce qui est sûr, ce combat-là, nous, on est dedans. Si vous voulez là, bannissez nos comptes TikTok. Si vous voulez là, mettez-nous en prison. Ce qu'ils sont en train de faire là, nous on n'a pas peur pour nous-mêmes, hein, nous on est déjà calés dans la tête. Mais c'est pour nos petits frères et nos enfants là, c'est pour eux que nous on a peur. Des maudits comme ça, c'est la liberté de faire ce que tu veux. Mais quand vous finissez, les autres n'ont qu'à faire enfant et puis vous êtes venus les adopter. Mais quoi encore de tous ceux qui soutiennent ce mouvement là? Mets compte de tous ceux qui soutiennent ces mouvements-là. Je vous dis, hein, ces gars que vous voyez, ils ne travaillent pas, ils ont toujours l'argent. Ça veut dire que ceux qui prennent l'air derrière, là. Bon, moi, je vous laisse le truc à vous, mais imaginez. Parce que voici des gens qui font des choses. Ceux-là, et pour là, c'est pas trouble à leur public. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien fait de mauvais. Eux-mêmes, ça, c'est trouble même, non, au moral. Mais, ils ne sont pas inquiétés. C'est quand toi, tu as fait une petite vidéo, là, il y a des maudits qui ont venu t'insulter en bas ici, qui sont rentrés ici, ça sort là-bas. Vos pasteurs, vos quoi, eux tous ont les achetés. Eux tous, ils ferment leur bouche. C'est quand ils sont dans des communautés religieuses seulement. Hein. Non, les trucs là. Bon, il paraît même qu'il y a certaines églises même qui disent que maintenant, on peut les bénir. Donc, ça, je comprends le silence. Mais comment on peut comprendre que la malédiction est en train de s'abattre un pays comme ça? C'est-à-dire qu'ils sont en train de transformer la Côte d'Ivoire en Sodome et Gomorre. Sous vos yeux, et puis vous êtes assis. Vous dites que vous représentez Dieu sur terre. Qu'est-ce que vous faites? Guide religieux, guide coutumier, gardien de la tradition, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Je vois ce païen de Makoso là qui fait vidéo aujourd'hui. Dans ça là encore, tu veux me chercher vue. Pourtant, t'as vu ici faire tes directs avec des Wubi. Et tu riais quoi. C'est là, c'est dans le pays ça là. Si on n'est pas mort dans cette lutte-là, c'est qu'on va plus mourir. Parce que personne ne serait épargné. Les vieux pères maudits qui prennent derrière des petits-là. On va vous afficher maintenant. Toi, tu connais un vieux père qui a les petits-là. Faut pas hésiter, faut l'exposer. Ce qu'il fait là, c'est bon, non? Faut l'exposer. Parce que si les petits ne font rien, et qu'ils ont tout là dans le pays-là, ils sont protégés là. C'est parce qu'il y a quelqu'un derrière eux. C'est quelqu'un qui est derrière eux là. On veut le connaître. On veut le connaître. Vieux père, toi qui prends derrière des morts là. On veut te connaître. Faut te montrer. Les vieux pères maudits, ils ont leurs femmes à la maison. Hein, mais ils sortent pour entretenir d'autres garçons. Parce que tous ceux-là, ce que vous voyez là, ils ne font rien. Mais ils ont l'an. Qui l'a donc l'an là? Ce sont les vieux pères maudits. Hein. Ce sont les vieux pères maudits qui sont en veste
Matin, quand il sort de la maison, tu penses que c'est un garçon qui est là. Pourtant, le vieux là, on lave son anus. Moi, je dis encore. D'où est partie la source de cette propagation oubisse dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Eh bien, je suis allé faire selon les recherches. Je vais mettre ces recherches-là à votre connaissance et vous allez vous faire votre propre opinion. Et bien entendu, je vais décodiquer, chers camarades peu d'Afrique, on est parti avec la première vidéo. Je vous sers ça. 2013. L'homosexualité. Monsieur le Président, vous avez fait un long développement. Vous avez dit quelque chose d'essentiel. Il y a des principes généraux que toutes les nations peuvent partager. C'est le respect de la personne humaine. C'est la non-discrimination. Mais ces questions, fondamentalement, sont des questions de société. Et qu'il ne saurait y avoir un modèle fixe, applicable pour toutes les nations, pour tous les pays. Il l'a bien dit, nous avons des cultures différentes, des religions différentes, des traditions différentes. Et même dans les pays où cela est aujourd'hui appliqué, la dépénalisation, le mariage homosexuel, les avis ne sont pas partagés. Le Sénégal, pour ce qui le concerne, est un pays tolérant qui ne fait pas de discrimination en termes de traitement sur les droits inaliénables de la personne. On ne dit pas à quelqu'un « tu ne seras pas recruté parce que tu es un homosexuel, tu n'as pas accès à tel emploi parce que tu as une orientation sexuelle autre ». Mais on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. Je l'ai dit déjà en Conseil des ministres, c'est l'option du Sénégal pour le moment, mais tout en respectant les droits des homosexuels. Et nous n'avons pas pour l'instant, nous ne sommes pas disposés à lever cette disposition de la loi. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes homophobes. Mais il faut que la société absorbe ces questions, qu'elle prenne le temps de les traiter sans qu'il y ait une pression ou une force à appliquer par rapport à ces questions. C'est comme la peine de mort. C'est des questions que chaque pays traite. Chez nous, nous l'avons abolie depuis longtemps. Dans d'autres pays, cela s'impose parce que la situation du pays l'exige. Et nous respectons en fait le choix de chaque pays. Mais soyez rassurés, le Sénégal est un pays vraiment de liberté. Et les homosexuels ne sont pas pourchassés. Mais pour le moment, il faut aussi qu'ils respectent le choix des autres Sénégalais. Et surtout, nous avons des questions en discussion aujourd'hui sur l'adoption, par exemple des enfants. Et c'est un débat, même au sein du gouvernement, très, très, très actif. L'Assemblée nationale va prendre le relais. Donc ce sont des questions qu'il faut laisser à la société. Elle régulera en fonction de l'évolution des mentalités, en fonction évidemment de ce que les gens considéreront comme acceptable ou pas acceptable. Voilà. Là, je crois que c'est en 2013, Barack Obama est allé au Sénégal pour aller voir Macky Sall, afin que Macky Sall puisse dépénaliser l'homosexualité, l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, les homosexuels, là, ils font ce qu'ils veulent sans craindre la rigueur de la loi. Parce qu'au Sénégal, c'est pénalisé. Là-bas, c'est interdit par la loi. Si on te voit, on te prend dans les activités homosexuelles, eh bien, de toute façon, les homosexuels assument leurs orientations en Côte d'Ivoire. Ils sont sur les réseaux. Si tu fais ça au Sénégal, on te met au nouf. Donc, c'est ce que Barack Obama est allé chercher à, on va dire, dépénaliser pour qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent au Sénégal. Macky Sall a dit non. Retenez, hein? Macky Sall a dit non. Maintenant, on vit en Côte d'Ivoire. Non seulement c'est dépénalisé en Côte d'Ivoire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, mais regardez ce que le gouvernement Ouattara a tenté de faire rentrer dans notre constitution. Regardez, chers camarades, on est parti. Et là, c'est dangereux parce que l'orientation sexuelle, la notion d'orientation sexuelle est un fourre-tout. Il y a tout dedans. L'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, tout est dedans. Et on nous dit que si vous discriminez quelqu'un qui lui-même a confessé être un homosexuel, alors vous l'aurez discriminé. Et vous êtes passible de poursuites et de condamnations. 1 an à 2 ans de prison, 500 à 2 millions d'amende.
Cela veut dire quoi? Simplement que si vous êtes titulaire propriétaire d'une maison, que vous décidez de mettre la maison en location, vous savez dans le quartier que X est un pédophile. X est un pédophile. Il se présente à vous, dans votre cour commune où il y a plein d'enfants, il veut prendre cette maison en location. Vous percevez le danger. Vous décidez de ne pas lui donner, vous lui signifiez. Vous êtes pédophile, je ne peux pas vous donner ma maison en location. Il va devant le juge. Et parce qu'on a mis orientation sexuelle dans le texte, ce texte remonte au niveau des normes qui sont acceptées par le droit. Le juge dira, est-ce qu'il a vraiment dit qu'il vous refusait la location parce que vous étiez simplement pédophile? Il dit oui. Est-ce que vous êtes vraiment pédophile? Oui, monsieur le juge. On ne peut pas le poursuivre. La loi dit qu'il faut protéger son orientation sexuelle. Que le discriminer, c'est une faute. Alors le juge vous condamnera pour n'avoir pas donné cette maison en location à celui que vous connaissez comme un pédophile par rapport à vos enfants à 1 an de prison ou 2 ans de prison, 500 000 ou 200 000 francs d'amende. De la même façon, lorsque M. le maire Assalet Tiemoko sera sollicité demain pour faire marier 2 hommes ou 2 femmes et qu'il refusera en se cachant derrière la loi, celui à qui on aura refusé ce mariage pourra le poursuivre devant les tribunaux pour dire qu'il m'a discriminé. La loi, celle-là, ce n'est pas une question de RHTP, de PDCI ou bien autre chose. C'est de savoir simplement que la matrice essentielle de ce qui nous fait vivre ensemble, qui est la conscience commune de tous les Ivoiriens, dans notre identité profonde, se trouve perturbée par une notion qui est floue et qu'on veut nous imposer. C'est ce que c'est ce que nous avons perçu dans cette commission. Et c'est pourquoi, unanimement, quand on s'est levé pour demander au ministre, on a insisté, le ministre a offert de retirer la notion du texte. Vous avez entendu, en réalité, Alassane Ouattara a fait un projet de loi pour aller à l'Assemblée nationale, pour aller chercher à protéger les homosexuels. Non seulement leurs activités sont dépénalisées, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vous comprenez ça? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il faut trouver une loi pour les encadrer, pour les protéger et pour empêcher qu'ils soient discriminés dans la société. Est-ce que vous avez compris, chers camarades pédafricains? Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire que Barack Obama, qui était le patron des Occidentaux d'alors, a cherché, a tenté de faire accepter la dépénalisation de l'homosexualité au Sénégal, dans un premier temps que Macky Sall a refusé. Mais en Côte d'Ivoire, les Occidentaux ont demandé à Ouattara de le faire. Parce qu'il faut se rappeler que au même moment, c'est-à-dire 2012, 2013, 2014, par là, je crois au premier mandat de Ouattara, il y a eu une première tentative d'introduire cette loi de protection des homos. Là. Il y a eu une première tentative qui a échoué. Et là, c'était la deuxième tentative qui a échoué encore, malgré les députés mécaniques du RADP. Ils ont dit vraiment, même si on dit oui à Ouattara dans tout, mais cette fois-ci-là, on ne dira pas oui. Regardez sur la toile, PPACI, PDCI, RADP, tout le monde est unanime pour dire que ça là, ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes Occidentaux, écoutez très bien, les mêmes Occidentaux se sont déportés au niveau du Cameroun en 2023. Là, parce que c'est pénalisé là-bas au Cameroun. C'est-à-dire que si tu t'amuses, c'est interdit. C'est interdit au Cameroun. Tu t'amuses, tu fais homosexualité, on te prend, on te met au nouf. Avec près de 2 à 5 ans de prison. Est-ce que vous comprenez ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Écoutez, si j'ai quand même un peu d'Afrique. En juin 2023,
La France a envoyé au Cameroun un ambassadeur pour la cause LGBT. Un ambassadeur pour aller défendre les droits des LGBT au Cameroun. La justice camerounaise l'a déclaré persona non grata et l'a renvoyé. Écoutez très bien. Ils l'ont renvoyé chez eux, chez lui, en France ici. Ils l'ont chassé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En 2024, là, ils ont actionné la fille de Paul Biya. La fille de Paul Biya, pour qu'elle divulgue son orientation sexuelle, son homosexualité. Et elle a diffusé ça pour faire pression au gouvernement camerounais. Je vais vous laisser écouter cette vidéo et on va aller plus loin pour vous dire d'où ça vient. D'où cette affaire d'homosexualité là, d'où ça vient. La propagation de Wubis en Côte d'Ivoire là, d'où ça vient là. On va vous expliquer tout. Écoutez la vidéo, chers camarades d'Afrique. Embrasse sa compagne, une photo postée sur son compte Instagram. Voilà. La fille du président camerounais déclare son amour à la brésilienne Leyons Valença et je veux que tout le monde le sache, écrit-elle. Une belle histoire, un pas en avant surtout pour le droit des homosexuels, pour certains activistes. Brenda a fait sa part dans ce travail-là. Maintenant, c'est à nous tous de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de Brenda, que tout le monde soit Brenda en matière d'homosexualité. La célèbre transgenre Shakiro, contrainte à l'exil, dit également sa fierté sur les réseaux sociaux. Elle espère même obtenir, écrit-elle, la dépénalisation de l'homosexualité. Brenda, tu es une bénédiction pour la communauté LGBTQI+. Je suis plus que fier, Brenda, en tant que fille de président, assumer ton orientation sexuelle comme tu l'as fait. Dans le pays que dirige Paul Biya, l'homosexualité est criminalisée. Le code pénal camerounais, article 347.1 à 347.3, condamne les personnes homosexuelles à des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison assorties d'amendes conséquentes. Le quotidien peut y être terrifiant. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a un apartheid au-dessus de leur tête. Ce ne sont pas des gens qui jouissent des mêmes droits que tout le monde. Ce sont des gens qui ont l'épée de Damoclès, c'est-à-dire l'article 347.1 du code pénal, qui s'appelle homosexualité, et qui finalement donne le droit à tout le monde, dans le quartier, n'importe où, de taper dessus, d'agresser, de tuer même de l'homosexuel. Le journaliste d'investigation Boris Bertholdt, sur ses réseaux, poursuit ainsi à destination des autorités. Plus de 20 personnes sont en prison au Cameroun pour des pratiques homosexuelles. On ne peut laisser Brenda Biya en liberté et maintenir en détention les enfants des autres. Soit Brenda Biya est arrêtée, soit on libère tout le monde. Brenda Biya, alias King Nasty de son nom d'artiste, est l'unique fille de Chantal et Paul Biya. À 26 ans, elle s'est lancée notamment dans la musique rap. Va-t-elle désormais embrasser la cause des militants LGBT+? Les réactions à sa photo ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, pas dans la presse du pays. Et les autorités camerounaises n'ont pas réagi à nos demandes d'entretien. Vous avez vu, voilà. Brenda Biya, ils ont fait pression sur elle pour qu'elle fasse cette photo. Puisque l'ambassadeur Waworo qui a été envoyé au Cameroun a été renvoyé rapidement. Il a été renvoyé rapidement chez lui. Donc, la France a fait pression. Macron lui-même s'est déplacé, il est parti là-bas. Il a fait pression, il n'a pas pu faire changer le vieux Biya. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par là où ça fait mal. Donc on lui dit, expose ton orientation sur la toile. Et vous avez vu le journaliste qui est intervenu pour dire qu'il y a des gens qui sont en prison. Si eux sont arrêtés, il faut qu'on arrête Brenda Biya. Alors que Brenda Biya est la seule fille de Chantal Biya. Et c'est Chantal va accepter que sa fille soit arrêtée. Donc c'est un combat qui est lancé contre le Cameroun afin que le Cameroun dépénalise l'homosexualité. Vous comprenez un peu d'où ça vient? Vous comprenez un peu d'où ça vient, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Voilà. En Ouganda, courant 2022, en Ouganda, le président Museveni a criminalisé l'homosexualité. Les Américains ont sanctionné l'Ouganda. Sanction, Joe Biden l'a sanctionné l'Ouganda pour criminaliser ça.
Vous comprenez ça? Vous comprenez d'où ça vient? Et donc, vous pouvez comprendre déjà donc qui envoie ça là-bas. Vous pouvez comprendre qui envoie ça là-bas. Et puis pourquoi tout le monde refuse et puis notre gars accepte. Et puis il fait projet de loi même pendant l'Assemblée nationale. Je félicite les députés RADP. Pour ça là seulement, je les félicite. Ils ont pu dire non une fois à Draman. Pourquoi notre gars accepte? Parce que notre gars lui-même, il est dedans. Sinon, Macky Sall n'est pas fort que lui. Macky Sall a rejeté. Le Mali, on n'en parle même pas. Même Ibeka a refusé au Mali. Il a refusé d'encadrer ça avec des lois. Les Rocabourés, ils ont refusé. Même bien qu'ils soient pantins de la France, les Bazoum ont refusé. Tout le monde a refusé. Dans la sous-région, tout le monde a refusé. Seul notre gars a accepté. Pourquoi lui, il accepte? Parce que lui-même, il est dedans. Lui-même, il est dedans. Parce que, frère, son gars là, mais il s'appelle, vous pouvez taper sur Internet, son gars, le gars de notre gars là, il s'appelle Michael Candesus. Il était gouverneur du FMI. Celui qui a fait rentrer notre gars au FMI, là, c'est son gars. C'est lui qui prend. C'est lui qui le prend. Alibi, ils sont ensemble. Vous comprenez? Pourquoi notre gars a accepté? Ben, notre gars, lui-même, il est dedans. Je conclue pour dire, même si tous les Ivoiriens sautent pour marcher, il ne va pas reculer d'un iota. Il ne va pas reculer d'un iota. Il va pas criminaliser ça. Jamais il va criminaliser. Et puis ça là, ce buzz là, ça va passer. Et puis les gens là, ils vont faire ce qu'ils veulent dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? La seule et unique solution pour ne pas que la fureur de Dieu s'abatte sur nous, la colère de Dieu s'abatte sur nous à cause de ça là, c'est de changer ce gars. Ramener Gbagbo et puis en quitter ici. Si Gbagbo vient ça là, on met loi tous pour criminaliser ça. On met loi tous pour criminaliser. Tous ces wawara vont quitter ici dans notre pays. Aujourd'hui même, tu es en France, tu regardes ton enfant. Tu as peur que ton enfant tombe dans leur wawara. Dans leur propre maléfique. Mais quand tu regardes ton pays, où tu peux faire partie de ton enfant pour aller passer des vacances, pour acquérir des valeurs africaines. Mais tu as peur, parce que chez toi même, elle devient pire. J'ai vu une vidéo où des petits garçons de 10 ans, 11 ans sont en train de danser Mabouka. Les petits enfants sont en train de danser Mabouka. Quand tu regardes ça, tu as peur. Anyway, quand tu regardes ça, tu as peur. Ton enfant, you're a man. Donc, la seule et unique solution, c'est de jeter Dran Ouattara dehors. Ramener Gbagbo pour qu'il puisse régler tout ça. C'est ça qu'il avait été. Donc, vous avez maintenant la source du problème. Les Occidentaux ont demandé à Ouattara de le faire et il a fait. Parce que lui-même, il est dedans. Sinon, les autres ont refusé. Alors que Museveni, que vous voyez là, Museveni de l'Ouganda, lui c'est un gars de la CIA. Lui me trappe la CIA. Museveni que vous voyez, lui et puis Kagame, c'est le gars de la CIA. C'est eux qui déstabilisent le Congo pour le compte des Occidentaux. Mais hey, ils ont dit, lui il a dit non. Lui-même il est dans la CIA, mais il a dit non. Et ça, ouais, mais, voilà. Donc partagez cette vidéo, chers camarades. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Babo présente le quoi dans 2025, Inch'Allah.